tant pris, prends sans nous tendre Mirland Maniga. Tant pris, yon moun qui a plus lumière passé, prends sans tendre Madame Maniga et puis dis-moi qui ça nous comprend dans sa labdi là. Qui sont capables de répondre des gens qui disent Mirland Maniga a servi pour voir PHTK après tout ça qu'on est Matéli fait dans tête pays et ça elle continue à faire. Je leur dis soyez sérieux. Après vous voyez une phrase de Leslie Maniga. Soyez sérieux. Et gardez pareil aux gens yoyi. Pas inventer. Vous voyez, pas aucun rapport avec PHTK. Ariel Henry, oui, nous avons un rapport avec lui, bien entendu, puisque c'est eux-mêmes qui nous viennent pas dans l'origine de création ça. Mais ils ont quand même poussé ces bagailles-là, au départ que nous avons fait, qui ont changé, qui ont été améliorés, etc. Donc c'est eux-mêmes. On va pas dire que nous avons un rapport avec eux. Nous avons un rapport, même, nous avons aucun rapport avec PHTK. Moi, pas comprendre rien. Grand bagay mwen kembe nan tout sa Madame Maniga di mwen pren trè au sérieux, c'est le fait que li ose di que la collaborer avec Ariel Henry mais pas en affaire à PHTK. Ça mwen certain Madame Maniga peut-être sans rendre li compte ou bien volontairement getan tourné même gens avec moun PHTK la faute. Ça veut dire la passé figuine nan bêtise et lui semblait fier de ça. Interview ça a pas long. Son interview li bay radio Kiskeya, li essayé faire mise au point sur le fait d'y accepter fait partie conseil et national transition etc. pour côté Ariel Henry qui est non cité nan assassinat Jovenel Moïse qui c'est pion PHTK même Jean-Jovenel Moïse teye. Tendez Madame Maniga, et puis après ça, résumez dans quelques mots, quelques phrases pour moi. Dis-moi, est-ce que nous, Madame Maniga, comprenons ou bien connaissons qui mission gagne, qui ça le bras fait pour contribuer à changer bagayou? Madame Nandi, c'est pas l'argent qui intéresse. Entendez, s'il vous plaît, prends un petit temps, parce que vous voulez comprendre, aidez-moi. Gen moun professeur Maniga soit dans secteur politique là soit dans société civile là et moun qui a analysé situation là yo di professeur Maniga entre école yon côté li pa doit entrer yo connaît yo très critique envers pouvoir réel là qui pa montré pour eux même bonne volonté pour résoudre crise qui gagne là gen moun qui dit y a tant yo connaît a tant professeur Mirland Maniga dans kafou côté là pour pa ka faire rien avec Ariel qui va continuer diriger pays là comme seul chef. Professeur Maniga a démissionné. A même dit qu'on démissionné déjà. Soit réseaux sociaux a vraiment blahi ou pas qu'il bagaille qui pas vrai. Hier, ils ont dit qu'on démissionné, alors comme des chita avec collègues moyen pour le travail. Donc, ou bien qu'on parle démissionné. Si on parle démissionné, eh bien, tant mieux. On n'a pas besoin d'annoncer qu'on parle. Vous comprenez? Mais son grand monde, on connaît qui ça pour faire, on connaît qui ça pour m'asi. Si pour me démissionner, je démissionne. Même pas qu'à annoncer, je fais prendre un job, prendre une responsabilité pour m'annoncer déjà que je vais démissionner. C'est pas sérieux. Alors que moi-même, je voulais travailler de manière sérieuse. Ouais. Moun qui dit que pour qui ça m'yolonne, li entre dans bagaille ça. C'est moun qui peut-être pas fait aucune déclaration. Et nous-mêmes, à Radio Kiskeya, nous suffisamment connaissons que nous n'avons pas aucune déclaration. Nous n'avons pas parlé sur Kiskeya, par exemple. Ouais? Et sur l'autre radio, nous n'avons pas parlé. Donc, des gens qui connaissent, qui connaissent qui principe nous gagnons, qui formation nous gagnons, qui compétences nous gagnons, ils disent, comment se fait-il? Alors, il y a deux versions, il y a deux attitudes. Première attitude, si Mme Maniga entre dans le bagage, faut qu'on va bien réfléchir et que à la sérieux qu'on possibilité pour qu'on fasse bagaille. Deuxième attitude, qui bagaille ça, Madame Maniga, à la fou école, non bagaille, d'abord, ils sont pas compétents, d'abord, ils dit que, on cherchait avantage. Écoute, j'ai 82 ans, c'est pas avantage qu'on y a bon d'acheter, pas du tout. Secrétaire général parti RDNP, Ari Jean-Baptiste, lit tombé tragiquement sous pouvoir Ariel Henry, et nous, un rien pas fait, non niveau, pouvoir, pour ta bail Ari Jean-Baptiste. Justice. On réfléchit pour aller servir, yon pouvoir comme ça, et gen moun ki di, ou al renforcer
PHTK qui sont capables de répondre? Oui, mais c'est pas ni PHTK, ni pouvoir ça, que je sache moi-même, qui est responsable de la mort Eric. Non. Pouvoir là pour bailler sécurité dans le pays. Eh bien, il est là pour bailler sécurité et non pas gagner sécurité. Voilà un échec. D'accord? Et nous, là, pour nous prendre conscience de cela et pour nous voir comment nous sommes capables d'aider. Faut pas oublier quand même la perspective d'aide. Il s'agit pas de résoudre nous-mêmes des problèmes. C'est le gouvernement qui peut résoudre un certain nombre de problèmes et c'est le gouvernement qui prend le venir, le président qui prend le monter, c'est lui-même qui a le plus gros changement. Pareil que nous t'arrêtons, c'est simplement commencer le départ par une perspective. Mais ça nous t'arrêtons. On va pas résoudre les problèmes, qui est des problèmes qui sont en profondeur, qu'on n'est pas capable de résoudre en quelques mois. Bien, mais cependant, comme on est fait nous crédit que pas confiance absolue, les yeux fermés, mais bonne chance. Me rend conseil, etc. Et finalement, m'estimer que c'est oui pour m'dadi. Pour qui c'est ça? Tout simplement parce que moi, je suis patriote. Je ne parle pas pays, j'en ai. Je ne parle pas ça m'a pourri, ça m'a tendé, ça y a dit de pays. Et souvent, il y a critiqué nous avec raison. Et moi, je dis que tout le monde a souffri, toute catégorie sociale a souffri dans le pays. D'accord? Et moi, même tout comme une catégorie sociale. Je ne veux pas continuer à mettre mes dans la choix, à lamenter moi, pays à pas bon, pays à ceci, gain sécurité, tout bagaille. Imaginez que m'habitez la plaine. Donc, j'étais en pleine affaire de insécurité. Et me fait 2 mois. Imaginez que je n'ai jamais quitté la caille, moi, j'étais la caille, personne n'a pas vu la caille non plus, à cause de zone, c'est la plaine. Donc, je me dis, est-ce que nous sommes capables de continuer comme ça? La prière, plaire, etc. Et puis, nous ne pas faire rien. Je me dis donc, il faut que nous fassions bagaille. Je rencontrais tout le monde qui est impliqué dans l'aventure, ça, et je prends conseil et au monde que je pensais qui était d'accord avec moi, c'est Leslie, Marine, qui mourit. C'est dommage, mais s'il était là, moi, quoi, elle t'a dit, ou bien fait réfléchir, ou bien fait pas précipiter au comme ça, mais accepter, ou pas capable d'arrêter, tant que tout le monde, ou lamenter, tant que tout le monde. Donc voilà pourquoi, c'était pas une décision facile, mais pas pour regrette, si l'on réussit, font bagaille. C'est difficile, c'est vraiment très difficile, mais cependant, moi la donne. Il y a une question qu'a posé professeur Maniga sur pouvoir nous-mêmes, membres HCT, qui rôle nous, parce que rôle n'est pas vraiment défini. Écoutez, nous trois qui prenons la transition, monsieur Saint-Cyr, c'est pareil économique, parce que nous représentons le secteur privé. Pasteur-là, c'est les affaires sociétales et essentiellement le secteur religieux. D'accord? Donc, nous pouvons entendre vraiment pour nous connaître quelle sera la répartition des rôles qui sa chaque monde a fait. Moi, quoi que pour gagner un engagement global de nous trois, pour aller dans la même direction, selon d'ailleurs, ça pas tellement arrêté que décret qui était publié semaine passée, décret en détail. Qui ça n'a pas pour faire? En particulier, certains secteurs en particulier, sécurité, élections, ensuite, nous gagnons un mandat qui est bien défini, et c'est à travers le mandat, ça, que nous avons, en quelque sorte, créé une autorité, ou bien une responsabilité, qui est le conseil de transition. À l'intérieur de responsabilité, ça, la répartition des rôles, il dépend donc de comment on travaille nous-mêmes, tous les trois. Comme ce sont des mondes que nous ne connaissons pas, nous ne pas non plus. Autrement dit, que nous ne jamais travailler ensemble, on va aller pour nous construire. Est-ce combien de temps nous avons déblayé le pays et avec question de gagner la sécurité pour l'élection faite? Qui période de temps nous avons été? Bon, on connaît que c'est la priorité de la population. Il faut que nous tenions compte de cela. De toute façon, nous vivons dans le pays, nous avons une réalité, j'en ai. Eh bien, on pensait que nous n'avons pas un délai bien défini. Ils ont parlé de 14 mois. Bon, c'est peut-être 12 mois. Mais la priorité en ce qui concerne les réalisations
ponctuelles, n'est-ce pas, Bapti, ou bien des réalisations en profondeur. Mais elles dépendent précisément de qualité de travail que n'a pas à nous tous les trois. On comprend? Ça veut dire que, dans les mêmes populations, comprendre que comité ça n'est pas une référence du tout. Ou pas pour elle, la constitution n'est pas apparaître. Alors que les transitions nous habituent à ça dans le pays. Imaginez que dans toute histoire, nous avons gagné 54 gouvernements provisoires. Transition des palais. C'est pas même bagaille en 1843 et en 1890 ou en 1946. Bien entendu, et qu'on y est, les circonstances ont changé et nous avons obligation pour nous adapter aux circonstances. Non pas pour faire ça, nous avons fait, en sept nous avons fait, mais nous-mêmes, qui ça nous capable de faire avec moyens que nous avons gagné. Pour le délai, ça, je ne vais pas dire une vague sous lui, mais cependant, on connaît que le premier engagement que nous avons, c'est à peu près un an. Ouais. Donc, c'est un an à quel rythme nous prenons le travail, à quel rythme, pas tellement travail là, à quel rythme nous prenons la réalisation. Quand le pays a connu pas tant de belles français, il n'y a pas tant de belles créoles non plus, qu'on vient faire des promesses, mais qu'on réalise. En d'autres termes, des objectifs précis, mais certains, mais surtout un grand pragmatisme. C'est les réalités qui pourraient pratiquement indiquer nous quelle sera la marche à suivre. 12 ou 14 mois, ça, professeur Maniga, réalisation élection, yo, changer constitution à la donne? Bon, son job s'écueille. Mais oui, effectivement, que il paraît difficile. C'est pas non seulement tout ça qui est objectif là, mais ce sont des objectifs naturels. Et c'est sa population attend. Cela dit, qu'est-ce qui est réalisable? Un bon exemple. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Est-ce qu'on a fait constitution avant élection? Mais si pour faire élection avant constitution, il faut que nous ayons quand même des points de repère. Par exemple, si par exemple, dans la constitution, ils mettaient au lieu de 3 sénateurs, c'est 2 sénateurs par département. C'est dans la constitution pour me prendre. Est-ce que pour faire préparer la constitution, ou bien en même temps, ou bien avant élection, nous réaliser travail ça? De sorte qu'il y a une, un raisonnement pour nous faire, pour établir même un calendrier. Nous là, donc moins zéro des objectifs précis, mais beaucoup de réalisme, beaucoup de pareil pour le faire progressivement. Et moi-même, personnellement, je pensais qu'il y a des lois qui ont été adoptées ces 20 dernières années, ou même 30 dernières années, qui peuvent être utiles. Mais la Constitution elle-même, non, parce que n'a pas rien dans la Constitution qui permette qu'on connaisse comment un comité comme ça est capable de fonctionner. On va créer des normes. Et je souhaite que les normes soient suffisamment crédibles, suffisamment utile pour y arrêter comme norme permanente et que, par exemple, on est capable de mettre dans la Constitution. Constitution que nous parlions pour refaire totalement, refaire partiellement, etc. Oui, mais il y aura quand même des interventions sur le texte de la Constitution. Qui sont capables de répondre à des gens qui disent « Myolène Maniga a servi pour voir PHTK après tout ça qu'on est, Matéli fait dans notre pays, et ça, elle continue à faire. » Je leur dis, soyez sérieux. D'abord, voyez une phrase de Leslie Maniga. Soyez sérieux. Et gardez pareil aux gens, pas inventer. Aucun rapport avec PHTK. Quel de bagaille que nous ne pouvons pas accepter facilement de ce gouvernement, mais c'est lui qui gouverne. D'accord, c'est une réalité. Et nous ne sommes pas capables de dire que nous voulons entreprendre, non pas la révolution, si vous voulez faire révolution, mais faire, si vous êtes capable de faire une révolution, il faut que nous définissions comment nous prenons le travail, d'accord, et qui local n'a pas gagné, qui moyen n'a pas gagné, etc. Et il faut que nous apprenions l'un contre l'autre, parce que moi-même, personnellement, je ne suis pas contre Saint-Cyr et je ne suis pas contre Pasteur là non plus. D'accord, mais nous rencontrer encore et nous allons rencontrer peut-être pratiquement tous les jours. Même ça qui n'est pas à notre portée, par exemple, au point de vue scientifique, quand le pays ne s'est pas particulièrement développé sur le plan de la technique scientifique. Mais même là, nous avons des gens qui travaillent à l'étranger.
cas exact. Diaspora, il y a pas l'empile de lui. Diaspora a regorgé de monde qui compétent et de monde qui, si on voit combat et si on a fait, il a dit, moi, disposé pour venir. Disposé pour venir 3 mois. Disposé pour venir 5 mois. Moi, je travaille dans le domaine académique, universitaire. Eh bien, je compte plusieurs expériences, assez même, c'était des mounes qui médecins, qui professeurs dans la grande université. Ils viennent passer 2 mois ici, 3 mois ici, et ils travaillent dans telle université. Il y a même qui dit, domaine PAM, c'est telle science, en particulier de la science médicale. Eh bien, est-ce que nous sommes capables de réunir des étudiants qui sont en 4e année ou 5e année de 2-3 universités pour nous faire un cours qui servit non pas à un petit groupe, mais à un plus grand groupe. Donc les gens de la diaspora, vous comptez en pile sur vous. En pile, en pile. Parce que côté OEA, ils ont vraiment un savoir que vous prenez, que vous accumulez et vous disposez en plus pour vous venir mettre à notre service. Donc si nous comptez, écoutez-moi, comprendre que je m'adresse seulement à la population haïtienne, m'adresser à nous-mêmes, tout. M'a essayé de toucher que nous, toucher sensibilité nous. Pas oublier, si pays ça, c'est pas nous lié. D'accord? Pas oublier ça, c'est pas nous. Faut nous essayer de changer, quand nous-mêmes non plus, nous pas aimer gens liés. D'accord? Eh bien, c'est ça, c'est dans ça lié. Alors, vite qu'on les épaules avec nous, nous trois qu'il a, et nous pas trois seulement, nous beaucoup plus de gens. Mais que diaspora, son mot que m'a fait trop aimer, mais néanmoins, lors du diaspora, on connaît de qui on va parler. Eh bien, sorti de côté Nia, qui peut être très agréable, qu'on y a, c'est l'hiver, dans l'Amérique du Nord, et l'hiver là, brutal, comme ça, on a souffert de ça. Mais, songez soleil là, eh bien, soleil, ça n'a pas éclairé pour tout le monde en Haïti. Eh bien, on fait en sorte que le soleil est là, capable d'éclairer pour tout le monde, pour chaleur, pour l'énergie. Yon seul bagay m'a dit pour me finir. Merci PHTK chéri doudou. Oui, c'est green bagay moins considéré positif entre guillemets ou fait pour la République. Continuez permettre que nous lions en bas. Continuez permettre que nous ouais en bas en pile moun nous te prend pour moun qui gè pour moun qui passe pour moun mais qui pas jam moun. Madame ça c'est pas premier et c'est pas dernier exemple. Chargez l'autre encore. PHTK avec un pile l'argent yo gen nan men yo et puis international qui campé derrière yo king yo continue à aider nous et descend en pile masque qui nan figure en pile moun. C'est pas moun yo te moun, c'est pas PHTK qui retire moun yo, pas jam moun vrai. Yo trompé la République pendant un pile temps. Mais finalement nous wè yo. En tout cas, haïtien pas qu'on bay leçon, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Madame n'a décidé retourner dans vomili fois ça et li à l'aise. Nager dans vomi ou madame Aniga, c'est très bien ça. Ou dit Marie ou t'as battu bravo pour ou, comme son molier, comme son défunt, il parle encore pour qu'elle réponde, tout s'en dit bon. À bon entendeur, à bientôt, mesdames, messieurs, gué moun qui dit honte, moi, m'pas gué temps pour m'honte, pour sans honte.